Bonsoir, quant à nous, soir, est-ce que ça va? Allez, plus de bon bruit, est-ce que ça va, mon garçon? Bon, super, uniquement vous souhaite une super bonne année 2023. Pour accueillir le concert, on avait Ali au sax, on a petit bien fort. Avec Vincent, le samba. Bon concert à tous. Mais je fais attention car je peux aussi m'égarer. Elle peut me faire oublier la réalité, me faire perdre le fil. C'est un moyen d'expression, mais pas un moyen de fuir. Je veux trouver un équilibre, sans y laisser ma peau. Je veux pas devenir addict ou perdre le contrôle. Avec elle on peut rêver, s'évader ou même vibrer. La musique est un moyen de s'assembler, pas de se diviser.
m'appelle Edouard. J'ai 6 ans et j'ai commencé la guitare électrique. Et ben, nous allons continuer.
Merci beaucoup. Tes compositions sont formidables. J'espère que quand tu seras encore une plus grande star, tu reviendras faire des concerts. Je vais tout le temps. Tous les concerts du monde. Bye.
Traditionnel concert de Nouvel An, qui depuis quelques années connaît des hauts et des bas en fonction de l'évolution de la pandémie, mais cette année c'est plutôt mieux parti, et donc vous êtes nombreux à avoir répondu à cette invitation, je vous en remercie, et que va nous proposer donc l'école de musique Charles Bocquet. C'est la quatrième, ça, quelle fois vous faites ça? Sixième? Oh oui. Non, pas seizième. Non, pas seizième. Bon, bref, on fera nos comptes à part. En tout cas, c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous accueille ici pour ce concert qui permet de commencer l'année en musique avec des bonnes notes et puis qui permet également de mesurer toute la qualité, tout le talent des élèves de l'école de musique. Donc, on va passer un début d'après-midi en musique et je voudrais avant tout, bien sûr, remercier tous les musiciens et la directrice et le président de s'être prêté au jeu, et puis également vous souhaiter à toutes et à tous
une très agréable année 2023, qu'elle commence sous les meilleurs auspices, qu'elle vous réserve la santé, bien sûr, avant tout, et puis après le bonheur et toute la dynamique, tout le dynamisme qu'il faut pour surpasser les difficultés qui se présentent à nous de jour en jour et qu'on ne sait pas évaluer en début d'année. Mais on commence à avoir l'habitude d'avoir des petites catastrophes qui se produisent un peu partout et qui se succèdent. Donc on souhaite que l'on ait la force de pouvoir les surmonter et de pouvoir vivre heureux, ce qui est quand même très très bien, parce qu'on a une pensée bien sûr aujourd'hui, en cette journée où on fête avec nos amis ukrainiens qui sont là. En fait. Le Noël orthodoxe, et même si on a des difficultés tous les jours dans notre pays, on mesure la différence qu'il peut y avoir entre ce que l'on connaît et puis ce que connaissent leurs parents, leurs amis qui sont restés en Ukraine. Bon après-midi à toutes et à tous.